Bien le bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour l'affrontement contre le Baryot qui est une espèce de mix entre un tigre à dents de sabre et un dragon. Donc ce qui est plutôt intéressant comme créature. On y va, c'est parti. J'ai farm donc avec les composants du Rathalos, des armes faisant des dégâts de feu. Donc là, voilà, on se retrouve au pays de la Reine des Neiges. Donc forcément c'est un animal qui craint le feu. Donc voilà, j'ai mes armes de feu, c'est pas mal. Déjà ça c'est bon, ça c'est quoi? Du nettoyant, tiens, on va le prendre. Peut-être qu'il crache de la merde sur nous. J'ai également, regardez, j'ai changé aussi mes... mon armure au niveau de mes pieds, de mes jambes en fait. Qui sont faits maintenant avec les composants du Rathalos. Et j'avais encore les armures faites avec le Gobul. Et donc ça commençait à être vieux. Donc là du coup j'en ai profité, j'ai changé. Le Rathalos qui est extrêmement chiant à farmer parce que du coup c'est pas qu'il est dur, mais c'est qu'il, comme il reste plus longtemps, il reste plus dans les airs que sur terre. Bah forcément quand on a des armes au corps à corps, c'est plus difficile quoi pour l'avoir. Voilà, il est là. Ouais, c'est... Oh, j'espère qu'il va pas être trop chaud à battre non plus. Alors, c'est parti. Bon, il a l'air de pas trop pouvoir voler. J'ai l'impression qu'il est un peu gros par rapport à la taille de ses ailes. On va voir un petit peu ce qu'il fait. À mon avis, il va être rapide par contre. Waouh! Ah, le truc, tu t'y attends pas. Ouais. Ah, si, il vole, cet enfoiré. Allez. Pour le moment, j'arrive à lui mettre quelques coups sans forcément m'en prendre trop plein la gueule, donc ça peut aller. Ouais, ce petit coup là qu'il fait sur le côté là, c'est dangereux ça. Ça, c'est dangereux. Ça, il. C'est quasiment instantané, tu sais. Ouf! Aïe aïe aïe. Je me suis pris quelque chose. Oh là là, il est trop rapide. J'arrive pas à savoir. Ah voilà, nom de Dieu. Enfin, ça, il fait pas trop de dégâts. Ouais, ça se coule là, mais putain. Ah ouais, d'accord, il m'assomme et tout. Ouais, je crois qu'il était en train de bouffer Kayamba, quoi. Là il m'a bien entamé ma vie sur en 30 secondes il m'a tout bouffé quoi. Putain mais il est où ce con?
Alors là, quand je tape dans le vide, j'aime pas ça. Eh, faites péter un sort de soin, là, les chakalas. Ils m'ont rien donné depuis le début du combat. Wouah! Est-ce que ça va m'assommer? Non. Oh non, mais je l'ai esquivé. Hop. Ah. Un petit coup de fatigue. Aïe. Ouf. Oh là là, le coup de croc. Attendez, on va se reprendre un petit peu de vie. C'est ce qu'on va faire. On va se casser sur le terrain d'à côté. On va pas prendre de risque, là j'ai pas de vie. Ça peut aller très vite. Hein. Le truc il nous immobilise, il nous tape un peu, tac tac. Ça va très vite. Et après, on se retrouve comme un con au niveau du camp de base, là. À plus avoir d'endurance, plus avoir que dalle. Tiens, on va se... On a perdu Kayamba dans la bataille, là. Allez, là on est refait. Là, on peut partir au combat. Oh, il est vachement fatigué, quoi. Quoi, il va tomber, là? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est où, ce connard? Je le vois pas. T'es parti là-bas. Ce que j'aime bien, en fait, dans la map de glace... C'est qu'il y a très peu de zones. Et du coup, il peut pas s'échapper bien loin. Wow! Oh, c'était esquive au dernier moment. Quoi. Je m'attendais pas à le voir là. Ah, il a récupéré un peu d'endurance, mais il recommence à cracher de la glace. Oh merde! Oh l'enfoiré! J'ai été bloqué par un mur invisible, fais chier. Eh hey, merde. Aïe 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 aïe, ça y m'a touché. Aidez-moi. Attends, faut que je... Vas-y, frappe-moi. Ah. Chier. Alors, il y a Kayamba qui fait le café. Ça va, ça va faire comme le Rathalos, c'est eux qui vont le tuer là. C'est eux qui vont l'achever. Oh, il arrive plus à cracher, ça y est.
J'ai l'impression qu'il boite, mais je sais pas, c'est bizarre. Je vais remettre une petite pastille. Je vais reprendre un breuvage chaud là. Histoire que ça me prenne pas par surprise. Allez, les chacalas, ils m'auront mis toute ma vie là, c'est bon ça. Oh l'enfoiré, il est en train de se... Attendez, on avait dit une pastille. Oh l'enfoiré. Oh, réveille-moi! Aïe! Quoi, j'ai cru qu'il m'avait fait taper. Oh oui! Oh la vache. Il y a un des chacals là, je crois que c'est Chacha là qui a fait le... Qui l'a mis à terre là le... Putain, il allait se coincer où là? Oh là là. Il allait se mettre dans une zone qui est assez difficile à atteindre, quoi. Alors là, normalement, s'il est en train de dormir, c'est qu'il est... Ah, il est en train de dormir, il est en haut. Ça veut dire que c'est bientôt la fin, les mecs. Ah, c'est bizarre, d'habitude faut le frapper pour qu'il se réveille. Là il s'est réveillé tout seul.
Tiens! Mange tes dents! Bon ben voilà. C'est un beau monstre quand même. Franchement. Allez. On coupe ça. Carapace de Bariotte. Eh ben écoutez, je vais arrêter la vidéo là. Et puis ben. On se retrouve pour la 18e vidéo où on affrontera le Diablos. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, je sais pas du tout si c'est vraiment comme ça qu'il s'appelle, mais je crois que c'est ça, le Diablos ou un truc comme ça. Une espèce de gros monstre avec des cornes qui sont juste immenses. Et donc là on changera d'environnement puisqu'on passera dans un environnement je pense plutôt chaud. Dans le désert ou quoi. Normalement, enfin je pense, hein, vu la gueule du monstre, à mon avis, ça va être c'est dans le désert, un petit peu dans le sable, etc. Donc écoutez, on verra ça dans la prochaine vidéo qui arrivera probablement assez rapidement. Allez, ciao tout le monde!